L'enseignement que nous on a appris de Christ là. Que le Christ demeure éternellement. Moi, il nous enseigne que le Christ est éternel. Voici la définition de Christ. Définition de Christ. Oui. Hey, c'est mon français. Oui. Tu as un problème, hein? Je n'ai aucun problème. Si. Non, le mot Christ là. Hein? C'est pas la définition que tu viens de donner. Donne la définition. Mon frère. Doucement. Il te demande la définition du mot Christ. Oui. Tu t'avais donné un verset où on parle du Christ. Non. Doucement. Je dis définition du mot. Oui. Comme tu connais pas. Oui. Toi-même, tu as lu, puis ça a laissé une bonne part pour toi. Ok. On te demande simplement un verset où Jésus est Dieu. Voilà ça. Ok. C'est bien. Vous voyez? Oui. Il y a beaucoup de personnes. Faut pas faire d'un. Je demande seulement de lire. J'ai dit. Tu peux me chasser. Non, il n'y a pas de chasse. Ah, tu as fait une. Tiens, regarde. C'est ça qui n'est pas bon avec okay. On a duré ici. On t'a pas chassé. C'est maintenant on t'est chassé. Non, ne m'impose pas. Non, je t'ai demandé. Est-ce que tu connais la définition? Tu dis oui. Oui. Tu as donné un verset. Attends doucement, mon frère. Frère, quand tu donnes un verset là, oui. C'est les frères qui lisent, non? Maman, c'est toi qui dois lire. Okay. Mais nous, on t'aide. Ça veut dire que nous, on est dans un bon esprit. Okay. Donc pourquoi nous, on te donne maintenant à ton tour de lire quelque chose, tu refuses? Faut lire son nom. Je ne peux pas refuser. Bon, faut lire. Non, attends d'abord. Je suis pas d'accord. Attends. LD, il n'a qu'à lire. Ou bien, il n'a qu'à faire comment? Faut lire. C'est tout ce qu'on te demande. Regarde, quand tu dis prenez Jean 12, regarde, est-ce que là, il discute? Elle discute pas, elle dit simplement, toi-même ta Bible, faut lire, Toto. A chaque fois qu'on leur dit de lire, là, il y a toujours problème. Je vais lire. Bon, s'il ne veut pas lire, c'est bon, on va lui envoyer. Attends, je vais lire. Attends, pardon. Vas-y. C'est une doléance. Avant de lire, pardon, je ne fais pas pour toi, je fais pour l'auditoire. Allons-y. Avant de lire, là, ce que je vais lire, là, c'est tiré de quel livre? C'est ce que je te demande. C'est la Bible, c'est un vocabulaire biblique. Non, attends, quel chapitre de livre? Écoute, attends, j'ai dit, écoute-moi bien, c'est la Bible d'homme. Écoute bien, on appelle ça vocabulaire biblique qui définit tous les mots employés dans la Bible. Attends, dans la Bible, ils ont employé le mot Christ et le mot Messie. Quand tu ne connais pas la définition du mot, je veux t'aider pour ton père, pour toi-même ta culture générale et spirituelle. Faut lire. Pardon, faut lire. Adamant, on peut faire ça. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. À chaque fois qu'on vous demande de lire, David, t'es parti en mer. T'étais en mer, tu m'appelais, appelle vidéo sur l'eau là-bas. Tu es venu.